À 10h30 un samedi matin, je me suis retrouvé à Las Vegas, voyageant vers l'ouest le long de Charleston Boulevard dans un taxi. La température avait déjà atteint 101 degrés et continuait d'augmenter. Sortir du terminal de l'aéroport avait été comme être frappé par une fournaise. Heureusement, la climatisation du taxi offrait un soulagement bienvenu. Ma destination était la maison de Charlie Carson sur Desert Foothills Drive, à environ 7 miles à l'ouest du Las Vegas Boulevard. En arrivant à la maison, ce que j'ai vu était inattendu. Charlie l'avait décrite comme petite, bien que qualifiée de petite, une maison de 3500 pieds carrés semblait plutôt modeste. La maison présentait une finition en stuc blanc et un toit en tuiles rouges, similaire à ses voisines, mais elle possédait une élégance distincte. L'entrée faisait forte impression, de lourdes portes doubles en chêne rouge ornées de vitraux. Celle-ci s'ouvrait sur un vaste hall d'entrée avec un sol en carrelage de pierre. À l'intérieur, la climatisation maintenait une température confortable de 72 degrés, un contraste frappant avec la chaleur du désert à l'extérieur. En explorant la maison, j'ai découvert que c'était une maison intelligente. Tout était contrôlé par un ordinateur. Charlie pouvait contrôler le climat, le système d'alarme et les lumières de sécurité à distance via Internet. Il y avait des caméras de sécurité au-dessus de l'entrée principale, au-dessus du garage et à l'arrière de la maison donnant sur la porte arrière et la piscine. Tout était high-tech. À l'intérieur, la maison ressemblait à la une du magazine architectural Digest. La chambre principale était au deuxième étage et était immense. La pièce occupait toute la profondeur de la maison, donc les fenêtres étaient orientées et étaient ouest. Les fenêtres orientées vers l'ouest offraient une belle vue sur les montagnes. Celle orientée vers l'est donnait sur les hôtels le long de la rue et la piscine dans le jardin. L'arrière de la maison était orientée vers l'est, ce qui gardait le soleil de midi hors du patio et de la grande piscine. La maison a égayé un instant mon esprit. En regardant autour de la belle maison, je me suis dit que Nikki adorerait ça. Et puis la dépression que je ressentais depuis 3 jours m'a de nouveau envahi. Comment pouvais-je autant ressentir son absence tout en étant en colère contre elle? J'étais là, chez Charlie, seul à cause de ce que Nikki avait fait. Je me suis forcé à chasser les pensées de Nikki de mon esprit et j'ai commencé à réfléchir à comment j'allais passer le reste de la journée. La piscine semblait très invitante, mais j'ai décidé qu'il valait mieux faire d'autres choses d'abord tant que j'avais encore de l'énergie. Je savais qu'au fur et à mesure que la journée avancerait, mon niveau d'énergie chuterait significativement. C'était ainsi depuis que je m'étais réveillé à l'hôpital il y a presque 2 semaines. Chaque jour, je me sentais mieux le matin, et au fil de la journée, je me sentais de plus en plus faible. Ma première tâche était de démarrer la Honda garée dans le garage pour faire les courses. La voiture avait 10 ans, mais Charlie en avait visiblement pris grand soin. J'étais soulagé de constater que la batterie n'était pas à plat et que la voiture a démarré du premier coup, et en sortant du garage, j'étais content d'avoir été attentif dans le taxi car je me souvenais avoir vu un centre commercial non loin de la maison. Il était à seulement 5 pâtés de maison et je n'ai eu aucun mal à le trouver. J'ai acheté suffisamment de nourriture, de boissons gazeuses et de bière pour me durer une semaine, puis je suis retourné à la maison. En rentrant la voiture dans le garage, j'ai réalisé que j'étais épuisé. Il ne restait presque plus de force pour rentrer les courses à la maison, mais j'ai réussi à les ranger et ensuite je me suis versé un grand verre de jus d'orange, espérant que cela m'aiderait à retrouver des forces. Je me suis préparé un sandwich, et après avoir mangé, j'ai décidé d'aller me détendre près de la piscine et de profiter du soleil un moment avant qu'il ne disparaisse à l'ouest de la maison. J'ai enfilé mon maillot de bain et je suis entré dans la salle de bain pour enlever mes pansements et mettre de la crème solaire. Quand je me suis regardé dans le miroir, j'ai vu 3 cicatrices LED de balle. Je me suis dit, quel sujet de conversation intéressant elles font. Les cicatrices m'ont rendu conscient de moi-même, alors je mettais une chemise avant de sortir et j'attendais que les voisins ne me voient pas avant d'enlever ma chemise. La chaleur intense m'a obligé à aller à la piscine pour me rafraîchir. Me sentant revigoré, je suis sorti et me suis allongé sur une chaise longue, prêt à m'endormir quand mon téléphone portable a sonné. Eric. Salut Tony, comment ça va? Bien. Écoute, Eric, j'ai besoin de te poser quelques questions si ça ne te dérange pas. Pas de problème, demande ce que tu veux, ai-je dit, même si je ne pouvais pas imaginer ce qu'il pourrait me demander qu'il ne m'ait déjà demandé. Parle-moi de Sarah Bowden, dit Tony. Sarah Bowden? Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans, ai-je demandé.
Je ne sais pas. J'espère que tu me le diras, dit Tony. Sarah est une fille que j'ai connue à l'université. Tu l'as fréquentée? Oui, je l'ai vue 3 ou 4 fois. As-tu couché avec elle? Demanda Tony. Je commençais à m'agacer. De quoi s'agit-il? Désolé Eric, juste une partie de l'enquête. Alors, tu as couché avec elle? Non. Est-ce pour ça que tu as rompu avec elle, parce qu'elle ne voulait pas le faire avec toi? Demanda Tony. Non, ce n'était pas du tout ça, ai-je dit, en laissant clairement entendre par le ton de ma voix que je commençais à m'énerver. Nous nous sommes vus quelques fois et nous avons réalisé que la relation n'allait nulle part, alors nous avons arrêté de nous voir. Étiez-vous toujours en contact lorsque vous avez rompu? Oui, nous avons continué à communiquer, mais nous n'avons pas rompu. Nous n'avions jamais eu de relation exclusive. Les relations que nous avons eues n'ont pas duré longtemps. Pourquoi me demandes-tu des choses sur une fille que j'ai vue quelques fois il y a plus de 10 ans? C'est juste qu'il y a eu quelque chose pendant l'enquête sur quoi je dois enquêter. Sortais-tu avec ta femme à l'époque aussi? Non. Je n'avais pas encore rencontré Nikki. D'accord. Alors parle-moi de ta relation avec Sarah Bowden. Que veux-tu savoir exactement? Ai-je demandé. Pourquoi ne commences-tu pas par comment vous vous êtes rencontrés? J'ai pris une grande inspiration, essayant de me rappeler. C'était un samedi soir et je rentrais à la maison de la fraternité après une fête. Je me suis arrêté pour prendre de l'essence dans l'une de ces supérettes à la station-service. Pendant que je remplissais le réservoir, une voiture s'est arrêtée de l'autre côté des pompes. Il y avait un couple dans la voiture et le gars criait après la fille. Je ne pouvais pas entendre ce qu'il se disait, mais le gars criait assez fort. Quand mon réservoir était plein, je suis entré dans le magasin pour payer, et en sortant, le gars de l'autre voiture est entré dans le magasin. Tu le connaissais? Demanda Tony. Non. On ne s'est même pas regardé en passant. Enfin, quand je suis retourné à ma voiture, la fille est sortie de l'autre voiture et a commencé à me supplier de l'emmener avec moi. J'ai vu qu'elle avait une bosse sous l'œil et j'ai pensé que son copain avait dû la frapper. Alors je lui ai dit de monter dans ma voiture et nous sommes partis avant que son copain ne sorte du magasin. Elle était assez secouée. Je lui ai demandé où elle voulait aller et elle m'a demandé de l'emmener quelque part prendre un café. Le seul endroit gratuit que nous avons trouvé cette nuit-là était Denny's. Nous avons pris une table libre, commandé 2 tasses de café et nous sommes juste assis là. Finalement, je lui ai demandé pourquoi son copain l'avait frappé. Elle a dit qu'il n'était pas son copain. Elle a dit qu'elle l'avait fréquenté 2 fois et qu'il était soudain devenu très collant. Elle a dit qu'au début de la soirée, elle était à une danse et dansait avec une amie quand le gars est entré, l'a attrapé par le bras et l'a traîné loin de l'établissement. Elle a dit qu'il l'avait forcé à monter dans sa voiture et avait commencé à l'accuser de le tromper. Quand je les ai vus à la station-service, elle a essayé de lui expliquer qu'il n'était pas dans une relation permanente et qu'elle pouvait danser avec qui elle voulait. C'est là qu'il l'a frappé. Quand il est entré dans le magasin pour acheter des cigarettes, elle est sortie de la voiture et m'a demandé de l'aider. Nous avons parlé longtemps cette nuit-là et ensuite je l'ai ramenée à l'auberge. Quand je l'ai déposée, elle m'a remercié pour mon aide et m'a embrassé. Je ne savais pas quoi faire d'autre alors je lui ai proposé de sortir. À la fin de notre premier rendez-vous, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de connexion entre nous. J'aurais pu mettre fin à tout ça à ce moment-là mais j'ai senti qu'elle voulait que je la revoie, alors je l'ai fait. Au 3e ou 4e rendez-vous, nous avons tous les deux réalisé que ça n'allait pas marcher. Nous nous sommes séparés en bons termes. Vous êtes restés amis? Demanda Tony. Je pense que j'aurais pu, mais après ça je l'ai vu moins souvent. Je l'ai croisé sur le campus quelques fois au cours du mois suivant mais on ne s'est plus revu après ça. Qui était le gars qui l'a frappé? Demanda Tony. Je ne sais pas. Je ne me souviens pas si elle m'a dit son nom. Alors, est-ce qu'il y a autre chose que tu peux me dire sur Sarah Bowden? Demanda Tony. Non, c'est la première fois que quelqu'un mentionne son nom depuis l'université. Non, attends une minute. Nikki m'a demandé une fois à son sujet il y a environ 1 an. Pourquoi elle a demandé? Je ne sais pas, dis-je. C'était juste après son retour d'Allemagne. J'avais préparé un dîner romantique pour la accueillir à la maison et pendant que nous mangeons, Nikki m'a demandé si je connaissais Sarah Bowden. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Demanda Tony. La vérité. Que je l'avais rencontrée quelques fois pendant ma dernière année de lycée. Et Nikki ne t'a pas dit pourquoi elle demandait? Demanda Tony. Nikki a dit que quelqu'un lui a dit de me demander si je la connaissais, mais elle n'a pas dit qui a demandé. Ai-je répondu?
Pourquoi ta femme était-elle en Allemagne? Elle était accompagnatrice lors d'un voyage pour les membres du club allemand au lycée où enseigne Niki, ai-je dit. Qui d'autre était dans le voyage avec elle? L'enseignante d'allemand Carol Stanley et son mari Jack, l'enseignante d'histoire européenne Barbara Martin et son mari Cal, la conseillère Janice Whiten et le professeur de gym John Parker, ai-je dit. L'expression sur le visage de Tony changea un instant, comme si quelque chose que j'avais dit l'avait touché. Pourquoi n'es-tu pas parti avec ta femme? J'étais censé le faire, mais j'ai dû annuler pour pouvoir assister à une conférence sur l'éducation technique à Denver qui était prévue la même semaine, ai-je dit. Ta femme n'a jamais reparlé de Sarah Bowden? Non. C'est donc tout? Oui. J'espère bien, dit Tony. Que diable cela signifie-t-il, ai-je dit. Je ne sais pas si cette Sarah Bowden a un lien avec cette affaire, mais c'est une piste que je dois suivre, donc j'espère que tu m'as dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur ta relation avec elle, dit Tony. Je commençais à me sentir mal à l'aise. Tony insinuait-il que j'avais fait quelque chose de mal avec Sarah? Je le considérais comme un ami et maintenant il disait de telles absurdités. Peux-tu me dire pourquoi tu me demandes au sujet de Sarah? Ai-je demandé. Désolé, mon pote, je ne peux rien te dire pour l'instant, a-t-il répondu. Pourquoi cherches-tu des squelettes dans mon placard? Je pensais que nous étions amis. C'est là le problème, un ami est un flic. Je dois quand même faire mon travail, a dit Tony avant de raccrocher. Faire ton travail? Des bêtises. Quelqu'un essayait de saboter l'enquête en mêlant Sarah à tout ça. Je ne pouvais pas imaginer comment elle pouvait être mêlée à ce désordre. J'ai passé le reste du week-end à me détendre, beaucoup de temps au bord de la piscine, et le reste du temps à lire les livres que Charlie avait dans sa bibliothèque. Le patron m'impressionnait vraiment. Qui aurait pensé qu'il aurait une si belle bibliothèque chez lui? Je ne pensais pas qu'il lisait jamais des livres. Le lundi, j'ai commencé à augmenter mon activité physique. J'ai fait une marche de 2 miles le matin et j'ai commencé à nager des longueurs l'après-midi. J'attendais un appel de Tony le lundi pour me dire qu'ils avaient arrêté mon agresseur mais il n'a pas appelé. Après le déjeuner, j'ai appelé le père de Niki pour savoir comment elle allait. Après avoir dit bonjour, j'ai demandé comment Niki se débrouillait. « Eric, sais-tu que Niki a démissionné de son travail ? » ai-je demandé à George. « Elle a démissionné. Pourquoi ? » m'a-t-il demandé. Elle a dit qu'elle craignait que des rumeurs ne commencent à circuler après que cela se soit su, a dit George, mais je pense que c'est plus que ça. Je ne savais pas quoi en penser. Niki aimait enseigner donc je me sentais désolé pour elle, mais en même temps je sentais qu'elle s'était mise dans cette situation. Dis-lui que je suis désolé qu'elle ait dû démissionner. Je le ferai, Eric, a-t-il dit. Je n'avais plus rien à dire donc j'ai mis fin à la conversation. Quand je n'ai pas eu de nouvelles de Tony jusqu'à tard mardi soir, j'étais prêt à l'appeler mais une partie de moi ne voulait pas parler à Tony. J'étais encore un peu en colère à cause de la façon dont il m'avait interrogé sur Sarah Bowden. Mercredi matin, j'ai reçu un appel de Charlie. « Comment ça va avec la maison, Eric ? » a-t-il demandé. « Bien, Charlie. Je croyais que tu avais dit que c'était une petite maison, ai-je dit. Comparé à ma maison à Sherman Oaks. « C'est vrai, a-t-il dit. Alors, tu as démarré la voiture ? » Oui. Je l'ai démarré et j'ai pris quelques caisses de Heineken mais je ne pense pas que ce sera suffisant avant que tu n'arrives. Je devrais peut-être en acheter plus avant de rentrer chez moi, alors qu'est-ce qui se passe là-bas? Pas grand-chose, mais un détective de police était ici ce matin en te demandant en premier lieu, a dit Charlie. Je commençais à m'énerver à nouveau. Pourquoi diable Tony fouillait-il là où je travaillais? Qu'est-ce qu'il voulait, ai-je demandé. Il voulait voir si je savais où tu étais. Il sait déjà où je suis. Oh, attends, non il ne sait pas. Je lui ai dit que je restais chez un ami mais je n'ai pas dit chez qui ni donné l'adresse. Tu lui as dit où j'étais? Oui, j'espère que tout va bien. Pas de problème, c'est bon si je dis au flic où je suis, ai-je dit. Charlie et moi avons parlé un peu plus du travail et des projets qu'il espérait que je reprendrais bientôt. Je me sentais plutôt bien après l'appel alors je me suis versé une Heineken et je me suis assis pour me rafraîchir à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Quand je n'avais pas de nouvelles de Tony à 17h, j'ai décidé de descendre sur le strip. J'ai décidé de jouer au blackjack puis de dîner. J'ai pensé à aller au Bellagio mais puis je me suis souvenu combien Niki aimait le Bellagio et je ne voulais pas en parler ce soir-là. J'ai fini par aller à Treasure Island. J'ai joué au blackjack pendant 3 heures et je me suis soudain senti très fatigué.
j'ai décidé d'abandonner l'idée de dîner dans l'un des grands restaurants du Strip et de rentrer simplement à la maison. Je suis rentré à la maison juste avant 21h et ce n'est qu'en étant dans la cuisine en train de me faire un sandwich que j'ai remarqué que j'avais manqué un appel sur mon téléphone portable. Je n'ai pas dû entendre l'appel quand j'étais au casino. J'ai vérifié mes messages vocaux et il y avait un message de Tony. Il disait « Appelle-moi » et incluait son numéro de portable. J'étais toujours en colère contre lui alors j'ai attendu d'avoir fini mon sandwich avant de l'appeler. « Tu voulais que j'appelle ?» ai-je dit quand il a décroché. « Où diable étais-tu ? » a demandé Tony. « Wow ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Je n'ai pas à te surveiller. Je suis parti ce soir, ai-je dit. Désolé d'être impoli mais nous avons un problème. Nous ne savons pas où il est, a dit Tony. Tu ne sais pas où, qui est ? Notre suspect. Il n'est pas revenu de la réunion à Denver, a dit Tony. Nous savons qu'il a quitté l'hôtel, est allé à l'aéroport et a pris un avion pour là mais nous l'avons perdu à l'axe. Donc le gars qui m'a tiré dessus est toujours en liberté ? Jésus, comment cela a-t-il pu arriver ? Ai-je demandé. Désolé mon pote, mais ce n'était pas de ma faute. Si tu te souviens, je voulais qu'il soit arrêté à Denver et retenu pour extradition, mais ma demande a été refusée. Maintenant, il est en liberté. Nous ne savons pas s'il sait que nous le cherchons ou non. Nous espérons qu'il l'ignore. Tu devrais être en sécurité là-bas et nous surveillons de près ta femme. Nous pensons qu'elle ne l'a pas contacté, mais nous faisons tout notre possible pour nous assurer qu'elle ne le fasse pas. Penses-tu que Nikki aurait pu le prévenir que tu le cherchais ? Je ne le pense pas, mais maintenant, qui sait ? Eh bien, comment vas-tu ? Demanda Tony. Je me porterais beaucoup mieux si tu arrêtais de fouiller dans mes affaires et d'attraper ce type, dis-je. Non, que veux-tu dire par fouiller dans tes affaires ? Demanda Tony. D'abord, tu m'as appelé et a commencé à me poser des questions sur une fille que je connaissais il y a plus de 10 ans et tu ne voulais pas me dire pourquoi, et ce matin tu as commencé à fouiner à mon lieu de travail en posant des questions sur moi. De quoi parles-tu ? Demanda Tony. Mon patron m'a appelé ce matin et m'a dit que tu étais là ce matin en train de poser des questions sur moi. Merde, ce n'était pas moi, Eric. Quel genre de questions ? Ce n'était pas toi ? As-tu envoyé quelqu'un d'autre là-bas ? Non. Charlie m'a dit que le flic qui est venu lui a demandé où j'étais et il lui a dit « Oh merde, tu dois sortir de la maison tout de suite, prendre une chambre d'hôtel quelque part et ne parler à personne sauf à moi », dit Tony. « Penses-tu qu'il viendra ici ? Je ne sais pas, mais je pense que c'est fort probable. Sinon, pourquoi saurait-il où tu es ? Tony ? Quoi ? Je pense qu'il est temps que tu me dises qui est ce foutu type, dis-je. John Parker. Le prof de sport de l'école ? C'est ça. Tu le connais bien ? Demanda Tony. Je ne le connais pas vraiment du tout, dis-je. Nikki parlait beaucoup de lui quand il est arrivé à l'école il y a 2 ans. Elle pensait qu'il ferait un bon travail en tant que prof de sport et entraîneur de foot. Je ne l'ai jamais rencontré moi-même. Oh merde, je viens de me rappeler que Nikki m'a dit que Parker lui avait un jour dit qu'il savait qui j'étais à l'université. Mais tu ne le connais pas ? Je ne me souviens pas de son nom de mes années d'université et je ne sais pas si je le reconnaîtrais si je le voyais, dis-je. Et puis une autre pensée m'a frappé. Nikki a-t-elle vraiment une liaison avec John Parker ? Je sentis ma poitrine se serrer à cette réalisation. Depuis quand cela durait-il et comment n'avais-je pas vu de signe que Nikki me trompait ? Je me sentais blessé, trahi, en colère et stupide en même temps. Nous ne sommes toujours pas sûrs de la nature de la relation entre Monsieur Parker et ta femme. Nous savons seulement ce qu'elle nous a dit, mais nous ne savons pas encore si c'est vrai. Mais nous le découvrirons, dit Tony. Et que t'a dit Nikki ? Désolé Eric, mais je ne peux tout simplement pas te le dire pour l'instant. Je te promets de tout te dire dès que possible. En attendant, je veux juste que tu sortes de cette maison et trouves un autre endroit pour dormir. Il pourrait déjà être ici. Le vol de l'Axe à Vegas ne prend qu'une heure, dis-je. Il pourrait être là, mais il n'a pas pris l'avion. Nous surveillons les aéroports, contactons sa compagnie de carte de crédit, et il n'a effectué aucun paiement aujourd'hui. S'il est à Vegas, il s'y est rendu en voiture. Je veux que tu quittes la maison tout de suite et assure-toi que tu n'es pas suivi. Si tu penses que quelqu'un te suit, appelle-moi immédiatement, a dit Tony. Que peux-tu faire si je suis suivi ? Tu es à Los Angeles et je suis à Vegas, ai-je dit. Je peux contacter la police de Las Vegas et les faire venir à ton secours. D'accord, je pars.
J'ai fermé mon téléphone et j'ai commencé à éteindre les lumières. Une fois qu'il faisait sombre à l'intérieur de la maison, j'ai regardé par les fenêtres et j'ai cherché des voitures garées dans la rue. Ne voyant aucune voiture garée dehors, je suis entré dans le garage et je suis monté dans la Honda de Charlie. Tout au long de cette épreuve, j'avais ressenti à peu près toutes les émotions imaginables. Mais alors que j'étais assis dans le noir et que je réfléchissais à mes prochaines actions, j'ai ressenti de la peur pour la première fois. J'ai démarré la Honda et j'ai attendu quelques secondes de plus avant d'appuyer sur le bouton de la télécommande pour ouvrir la porte du garage. Une fois qu'il y avait un espace ouvert sous la porte, j'ai rapidement quitté le garage en appuyant sur le bouton pour fermer la porte et j'ai tourné à gauche dans la rue. Partie 3, j'étais à deux pâtés de maison de la maison et il n'y avait pas d'autres voitures en vue. Personne ne me suivait et je commençais à penser que peut-être ce n'était pas John Parker qui rendait visite à Charlie ce matin-là. Peut-être que c'était un policier et que Tony n'était tout simplement pas au courant. J'attendais au feu pour tourner à gauche sur Charleston Boulevard quand j'ai vu un Ford Explorer argenté tourner à droite depuis Charleston sur Desert Foothills Drive. J'ai jeté un coup d'œil rapide au SUV et, bien que je ne puisse pas voir le conducteur à travers les vitres teintées, j'ai vu que la voiture avait des plaques d'immatriculation de Californie. Ayant vu des plaques d'immatriculation de Californie sur une voiture au Nevada, je n'étais pas surpris, mais voir une voiture avec des plaques d'immatriculation de Californie tourner dans la rue où je logeais était trop coïncident pour moi. En roulant vers l'est sur Charleston, j'essayais de décider dans quel hôtel je devais aller quand je suis arrivé à l'échangeur de l'I-15. En un instant, j'ai pris une décision. J'ai tourné à droite sur l'échangeur sud de l'I-15. Si John Parker me cherchait à Las Vegas, je retournais à Los Angeles. La Honda de 10 ans s'est comportée admirablement, maintenant facilement une vitesse de 75 à 80 km/h tout le long de la route jusqu'à la 10. J'ai ralenti un peu là-bas, mais à 2h30 du matin, j'étais déjà à Burbank et installé dans un petit hôtel près de l'aéroport de Burbank. Je n'étais pas sûr que ce soit une bonne idée de rentrer à la maison car je n'étais toujours pas sûr que John Parker me cherchait à Vegas. Peut-être qu'il surveillait ma maison, ou peut-être qu'il était déjà en route pour le Mexique. Je n'avais vraiment aucune idée de ce qui se passait. Je me suis assis sur le lit de ma sombre chambre d'hôtel et j'ai recommencé à me poser des questions, essayant de comprendre ce qui se passait. Pourquoi John Parker voulait-il me tuer? Voulait-il me mettre hors de son chemin pour pouvoir avoir Nikki? C'était une possibilité, mais cela n'avait pas de sens. S'il voulait Nikki et si elle voulait être avec lui, il n'avait pas besoin de me tuer. Un divorce aurait été beaucoup plus simple. Je n'avais pas beaucoup d'argent que Nikki pourrait hériter. Financièrement, elle aurait survécu au divorce. Quelque chose d'autre devait se produire. Je commençais à regretter de ne pas avoir dit à Nikki ce que je savais avant d'impliquer Tony et Jim. Peut-être qu'elle m'aurait dit ce qui n'allait pas. Mon corps me faisait mal, j'avais mal à la tête et j'avais besoin de sommeil. Le matin, j'ai appelé Tony et je lui ai dit où j'étais. Je lui ai également parlé de la voiture avec des plaques d'immatriculation de Californie que j'avais vue la veille au soir. « Quel genre de voiture était-ce ? » demanda Tony. « C'était un Ford Explorer argenté, ai-je dit. »« Cela devait être son Explorer, » dit Tony. « Nous avons découvert tard hier soir que M. Parker avait garé son Ford Explorer à Los Angeles. Nous avons pu obtenir une photo de lui avec une caméra de sécurité alors qu'il sortait du parking dimanche soir. » « Où es-tu maintenant ?»« Je suis à l'hôtel, chambre 254, ai-je dit. » 45 minutes plus tard, Tony se tenait devant ma porte. Quand il est entré, il tenait une mallette, qu'il a posée sur la seule table de la petite pièce. En ouvrant la mallette, Tony sortit une photographie et me la tendit. « Le reconnais-tu » demanda-t-il. C'était une photographie en noir et blanc prise d'un angle élevé à travers le pare-brise d'une voiture. L'homme assis au volant avait des cheveux foncés et un visage assez ordinaire. Il semblait plutôt imposant, mais c'était difficile à dire sur la photo. Je ne l'ai pas reconnu. J'ai regardé Tony et demandé, « Est-ce John Parker ?»« C'est bien lui. L'as-tu déjà vu ?» demanda-t-il. « Non, il ne me semble pas du tout familier, ai-je dit. » J'ai informé la police de Las Vegas et la police de l'État du Nevada pour qu'ils recherchent sa voiture. Ils l'arrêteront s'ils la trouvent et la garderont pour nous, dit Tony. Je pense que tu voudras regarder ceci. Tony sortit ensuite une cassette vidéo de sa mallette et la posa sur la table. Je ne suis pas censé laisser qui que ce soit regarder ça pour le moment,
mais j'ai pensé que tu devrais le faire. Tu n'as pas à dire à qui que ce soit que je te l'ai donné. Je ne dirai rien, mais qu'est-ce que c'est ? Tu devras attendre pour le découvrir, dit Tony. Je dois retourner au poste. Comme tu peux l'imaginer, les choses sont devenues un peu folles depuis la disparition de M. Parker. Tony se tenait à la porte, prêt à partir, et dit « Je t'appellerai plus tard pour discuter ». Alors que la porte se refermait derrière Tony, j'ai regardé la télévision sur la commode. Je savais qu'il n'y aurait pas de magnétoscope là-bas, mais j'ai quand même regardé. J'ai appelé la réception pour demander s'il avait un magnétoscope que je pourrais louer. L'homme qui a répondu au téléphone a dit qu'ils avaient des magnétoscopes, et s'il voulait en emprunter un, il l'enverrait dans ma chambre. J'ai été très surpris lorsque le magnétoscope a été livré 5 minutes plus tard. Je ne m'attendais pas à ce niveau de service dans cet hôtel. Il m'a fallu quelques minutes seulement pour brancher le magnétoscope. J'ai chargé la cassette dans le lecteur, mais j'ai attendu 1 minute de plus avant d'appuyer sur le bouton de lecture. J'avais un peu peur de ce que j'allais voir. J'étais sur le point d'appuyer sur le bouton de lecture quand je me suis souvenu de quelque chose de l'hôpital. Je me suis souvenu m'être réveillé et avoir entendu Nikki parler à un homme se tenant près de la porte. Elle l'avait appelé John. Peut-être était-ce Parker. J'y ai réfléchi encore 1 minute et je me suis souvenu de ce dont il parlait. Nikki a dit, « John, tu ne devrais vraiment pas être ici. Est-ce qu'il se souvient de ce qui s'est passé ?» Nikki a répondu, « Je ne sais pas. » Le détective Tranca a essayé de lui poser des questions à ce sujet hier, mais Eric était trop sous l'emprise des antidouleurs pour donner des réponses. Dès qu'il pourra parler à la police, je veux savoir ce qu'il va leur dire. John, s'il te plaît, pars avant qu'il se réveille et te voie. En plus, le détective Tranca pourrait revenir à tout moment. John a dit, d'accord, je m'en vais, mais souviens-toi de ce que j'ai dit. Je le ferai. Maintenant, s'il te plaît, pars. Je ne peux tout simplement pas rester avec toi en ce moment, a dit Nikki. Elle l'a gardé dans ma foutue chambre d'hôpital, ai-je dit à voix haute. Il faudrait que je m'assure de dire ça à Tony. Enfin, j'ai pris une grande inspiration et j'ai appuyé sur le bouton de lecture. L'écran de télévision était tout enneigé pendant quelques secondes, puis l'image a basculé quelques fois et s'est calmée. Sur l'écran, j'ai vu Nikki et Jim assis à une table face à la caméra. La pièce était peinte en gris et le dessus de la table était du même gris. Nikki portait les mêmes vêtements qu'elle portait la semaine précédente lorsqu'elle était partie de la maison avec Jim. J'ai supposé que la vidéo avait été prise cette nuit-là. Jim parlait doucement à Nikki, et elle avait les mains sur la table devant elle, les paumes vers le bas, regardant droit devant elle sans expression sur son visage. Après 1 minute, la porte du côté gauche de la pièce s'est ouverte et un homme habillé en pantalon gris et chemise blanche sans cravate est entré. « Bonsoir, Madame Anderson. Je suis le détective Harris, et je vais mener cet entretien. Avant de commencer, voulez-vous un verre d'eau, ou avez-vous besoin d'une pause pour aller aux toilettes ? » a-t-il demandé. « Non, je n'ai besoin de rien pour l'instant », a répondu Nikki d'une voix faible et monotone. « Parfait. Alors commençons », a dit le détective Harris. Autant que je pouvais le dire, la caméra vidéo était cachée derrière un miroir sans teint. J'ai eu cette impression car personne dans la pièce ne prêtait attention à la caméra. Je m'attendais à ce que si la caméra avait été dans la pièce, elle aurait attiré l'attention de Nikki et Jim. Madame Anderson, j'aimerais commencer par les événements qui se sont déroulés chez vous le vendredi 8 août. Si vous répondez aux questions de manière sincère et aussi détaillée que possible, je pense que nous pourrons éclaircir les choses rapidement, a déclaré le détective Harris. Nikki a répondu. D'accord. Alors, Madame Anderson, étiez-vous dans la maison lorsque votre mari a été abattu ? A demandé le détective Harris. Nikki a baissé la tête sur sa poitrine. Oui. Qui a tiré sur votre mari ? A demandé le détective Harris. C'était un accident, a répondu Nikki. Madame Anderson, qui a tiré sur votre mari ? A demandé à nouveau le détective Harris. John Parker, a dit Nikki d'une voix à peine audible. Qui est John Parker ? C'est le professeur de sport de mon école. Où étiez-vous lorsque votre mari a été abattu ? A demandé le détective Harris. J'étais caché dans le placard. Si vous étiez caché dans le placard, comment savez-vous que le tir était accidentel ? A demandé le détective Harris. John m'a dit ce qui s'était passé, a répondu Nikki. D'accord. Madame Anderson,
Pourquoi ne me raconteriez-vous pas ce qui s'est passé cet après-midi-là ? John et moi étions à l'étage dans ma chambre quand nous avons entendu la porte d'entrée s'ouvrir, a dit Nikki. Je savais qu'Eric ne serait pas à la maison car j'étais censé aller le chercher à l'aéroport ce soir-là, alors j'ai paniqué. J'ai attrapé le téléphone pour appeler le 911, mais John m'a ordonné de me taire et il est sorti de la pièce pour monter en haut des escaliers et regarder en bas. Quelques secondes plus tard, il est revenu dans la chambre et m'a chuchoté que quelqu'un fouillait en bas, puis m'a dit de me cacher dans le placard jusqu'à ce qu'il vienne me chercher. « Combien de temps es-tu resté dans le placard ?»« Je ne sais pas, une minute, peut-être deux », a dit Nikki. « Et ensuite, que s'est-il passé ?»« J'ai entendu des coups de feu. J'étais terrifié. Je pensais que quelqu'un avait tiré sur John et j'étais sûr qu'il me trouverait aussi », a dit Nikki d'une voix tremblante. J'étais assise par terre dans le placard, écoutant le moindre bruit qui pourrait me dire ce qui allait se passer ensuite, et puis la porte du placard s'est ouverte et là se tenait John. Son visage était cendré. Je lui ai demandé ce qui s'était passé, me relevant du sol. Il a commencé à marmonner, c'était un accident. C'était un accident. Je l'ai suivi jusqu'à la porte de la chambre et il a dit, j'ai cru voir une arme dans sa main. J'ai paniqué et je l'ai abattu. Je n'ai pas réalisé de quoi il parlait jusqu'à ce que je regarde en bas des escaliers et vois Eric allongé là. J'ai couru en bas des escaliers et crié à John d'appeler le 911, mais John était juste derrière moi sur les escaliers et a dit qu'il était trop tard. Il a dit que si Eric n'était pas déjà mort, il le serait avant l'arrivée des secours. À ce moment-là, j'étais assise en bas des escaliers en essayant de voir si Eric respirait. Pendant que je faisais cela, John a dit « Il faut faire croire à un cambriolage ». C'est alors que j'ai remarqué qu'Eric respirait encore et j'ai dit à John que j'allais appeler le 911. John a attrapé ma main et m'a dit d'attendre quelques minutes pendant qu'il essayait de simuler un cambriolage et est ensuite allé dans le salon. Je pouvais l'entendre jeter des choses dans la pièce, mais je savais que je ne pouvais pas attendre plus longtemps et j'ai composé le 911. J'ai été immédiatement mis en attente. John est revenu dans le hall pendant que j'attendais que l'opérateur du 911 réponde. Il m'a demandé ce que je faisais et je lui ai dit que j'appelais le 911. John a pris mon visage dans sa main, l'a rapproché du sien et a dit, « Quand la police arrivera, dis-leur que tu es rentré chez toi et que tu as trouvé Eric allongé là et ne leur dis rien d'autre. » Je lui ai demandé pourquoi et il a dit, « La police ne croira jamais que c'était un accident. Ils penseront que nous l'avons tué intentionnellement. » J'étais tellement effrayée et confuse que lorsque l'opérateur du 911 a finalement décroché, je lui ai dit que j'étais rentré chez moi pour déjeuner et que j'avais trouvé Eric par terre en bas des escaliers et qu'il semblait avoir été abattu. « Que faisait Monsieur Parker pendant que vous étiez au téléphone ?» a demandé le détective Harris. Il se tenait là et me regardait jusqu'à ce que j'ai fini de parler, puis il a dit « Souviens-toi de tenir le discours. Si tu ne le fais pas et que la police vient après moi, tu tomberas avec moi. Que fit Monsieur Parker après t'avoir averti de te tenir à l'histoire ?» John a fait quelque chose d'étrange. Il s'est penché vers Eric et j'ai pensé qu'il vérifiait s'il était vivant. Ensuite, il a chuchoté quelque chose à l'oreille d'Eric et puis il est parti, a dit Nikki. A-t-il dit quelque chose à ton mari? As-tu entendu ce qu'il lui a dit? Demanda le détective Harris. Je ne suis pas sûr, mais une partie semblait être pour Sarah, mais je ne peux pas en être certaine. Je l'ai à peine entendu. Que penses-tu que cela signifiait? Demanda le détective Harris. « Je n'en ai aucune idée, » dit Nikki. « Qui penses-tu que soit Sarah ?» demanda le détective Harris. « Je ne suis pas sûr. Il pourrait parler de la fille avec qui Eric sortait à l'université avant que nous nous rencontrions. Sarah Bowden. Pourquoi penses-tu qu'il parlait de Sarah Bowden ?» John m'a demandé une fois si Eric connaissait Sarah Bowden. J'ai vu le détective Harris écrire le nom de Sarah Bowden sur son carnet et le souligner. « Nous y reviendrons plus tard », a-t-il dit. « Pour l'instant, j'aimerais en savoir plus sur ta relation avec John Parker. »« Que veux-tu dire par ma relation avec John Parker ?» demanda Nikki sur la défensive. « Exactement cela. Quelle est la nature de ta relation avec Monsieur Parker ?»« John est mon patron. Il est professeur dans mon collège. Est-ce ta seule relation avec lui ?» demanda le détective Harris. Nikki se crispa, et j'ai vu Jim poser sa main sur la sienne pour la rassurer. « Que cherches-tu à insinuer ?» dit Nikki. « Je me demandais juste pourquoi M. Parker était dans la chambre avec toi, dit-il. Pourrais-tu expliquer cela ?
Il m'a suivi en haut des escaliers, dit Nikki. Pourquoi M. Parker était-il chez toi? Demanda le détective Harris. Il est venu avec moi cet après-midi. Vous avez déjeuné ensemble? Oui, avec plusieurs autres professeurs. Je veux les noms de ceux qui ont déjeuné avec toi ce jour-là, dit le détective Harris. Après le déjeuner, pourquoi es-tu rentré chez toi avec M. Parker? J'ai renversé de la sauce tomate sur ma blouse, alors je suis rentré chez moi pour changer de blouse, dit Nikki. Qui conduisait? C'était moi. Monsieur Parker a-t-il conduit avec toi? Oui. Donc, quand vous êtes arrivé chez toi, vous êtes tous les deux entrés et Monsieur Parker t'a suivi à l'étage pour changer ta blouse? Demanda le détective Harris. Il ne m'a pas suivi à l'étage. Tu viens de dire qu'il t'a suivi à l'étage, dit le détective Harris. Quand nous sommes entrés dans la maison, John est allé dans le salon, et je suis monté à l'étage pour me changer. Mais ensuite, il est monté. Oui. Pourquoi? Il portait le verre à bière qu'il m'avait acheté en Allemagne, dit Nikki. Je n'arrivais pas à croire ce que je venais d'entendre. Parker avait acheté ce verre pour Nikki, et ensuite elle avait eu le culot de me le donner comme si c'était un cadeau si spécial. L'acide dans mon estomac a commencé à bouillonner. Quelle garce! Pourquoi a-t-il monté un verre à bière à l'étage? Demanda le détective. Il voulait me rappeler notre nuit en Allemagne, dit Nikki. Pourquoi penses-tu qu'il soit monté à l'étage avec le verre au lieu d'attendre que tu descendes? Des larmes coulaient sur le visage de Nikki lorsqu'elle répondit. Je suppose qu'il voulait que je le fasse avec lui, dit Nikki. J'ai senti un frisson le long de ma colonne vertébrale quand Nikki a dit que Parker l'avait suivi en haut des escaliers pour le faire avec elle. J'avais l'impression que mon corps allait exploser. Alors, appelleriez-vous votre relation avec Monsieur Parker sexuelle? Demanda le détective Harris. Non, je n'ai pas couché avec lui. Était-ce parce que votre mari est rentré et vous a interrompu? Le détective Harris commençait à prendre les traits d'un pitbull. Il sentait le sang et était prêt à passer à l'attaque. Une partie de moi voulait qu'il brise Nikki et une autre partie voulait qu'il soit plus doux avec elle. Je n'allais pas faire ça avec John. Nikki devenait très agitée et avait du mal à contrôler sa colère. Jim continuait de lui chuchoter, essayant de la calmer. Vous avez dit que M. Parker vous a suivi à l'étage pour le faire avec vous, mais maintenant vous dites que vous n'alliez pas le faire avec lui. Que voulez-vous dire exactement, Madame Anderson? Demanda le détective Harris. Il est monté à l'étage avec ce fichu verre à bière et a essayé de me convaincre, mais je n'allais pas entrer dans son jeu, dit Nikki. Il a essayé de te convaincre? Tu veux dire qu'il a essayé de te séduire? Oui, je suppose, dit Nikki. Avait-il une raison de croire que vous seriez d'accord pour le faire avec lui? Demanda le détective Harris. Il n'arrêtait pas de parler de ce qui s'était passé en Allemagne et de comment nous devrions. Avant que je puisse terminer la réponse de Nikki, la chambre d'hôtel s'est mise en mouvement. Il m'a fallu moins de 2 secondes pour réaliser que nous étions en train de vivre un tremblement de terre. Je me suis rapidement reculé vers l'encadrement de la salle de bain pour attendre que ça passe. C'était un tremblement de terre assez fort, peut-être de magnitude 6. La grande fenêtre de la chambre s'est fissurée puis a volé hors de son cadre pour tomber dans le parking en dessous. Un instant plus tard, l'électricité s'est coupée. Tout cela a duré moins de 30 secondes, mais j'entendais déjà les sirènes dans toute la ville ainsi que toutes les alarmes de voitures du comté de Los Angeles. Je me suis assis sur mon lit et j'ai attendu que le courant revienne, mais rien. J'ai attendu plus d'une heure, mais alors que la nuit commençait à tomber, j'ai débranché le magnétoscope et je l'ai emmené à la réception pour demander si je pouvais le prendre avec moi et le rendre le lendemain car ma cassette était coincée dedans. En arrivant au hall de l'hôtel, j'ai remarqué qu'il y avait de la lumière. J'ai demandé au réceptionniste à ce sujet et il m'a dit qu'ils avaient un générateur de secours. Je lui ai demandé si je pouvais emmener mon magnétoscope avec moi et il m'a dit qu'il ne pouvait pas me laisser faire. Ensuite, il m'a suggéré de brancher le magnétoscope sur l'une des prises alimentées par le générateur et ensuite je pourrais retirer la cassette. 5 minutes plus tard, j'étais déjà assise dans la Honda avec la cassette et je me dirigeais vers chez moi. J'espérais avoir de l'électricité en arrivant là-bas. J'ai appelé Tony et je lui ai dit où j'allais et pourquoi. Il a dit qu'il avait besoin de me parler et qu'il me retrouverait chez moi dans environ une demi-heure. Quand je suis arrivé à la maison, il faisait très sombre dehors. Il n'y avait pas de lune cette nuit-là et l'électricité était coupée dans toute la ville. Sans lampadaire, je pouvais à peine voir ma maison depuis l'allée lorsque j'ai éteint les phares de ma voiture.
J'ai attrapé la cassette vidéo du siège avant de la voiture et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Il faisait si sombre que je marchais parfois sur le bord du trottoir, manquant de me tordre la cheville à quelques reprises. Arrivé à la porte d'entrée, j'ai dû m'agenouiller pour essayer de mettre la clé dans la serrure. Il faisait si sombre que j'ai pensé qu'il serait plus facile pour moi d'insérer la clé dans la serrure si je fermais les yeux, et ça a marché. Lorsque j'ai ouvert la porte et que je suis entré, j'ai constaté que c'était encore plus sombre. J'ai levé la main devant mon visage, mais je ne pouvais pas la voir. Je savais qu'il y avait une lampe torche puissante dans le garde-manger de la cuisine. Tout ce que j'avais à faire était de traverser le hall d'entrée et le couloir jusqu'à la cuisine, une distance d'environ 15 pieds, puis tourner à droite sur 6 pieds, et j'arriverai à la porte du garde-manger. Habituellement, il me fallait 5 ou 6 secondes pour parcourir cette distance, mais dans l'obscurité, je me déplaçais très lentement. Je n'avais jamais eu peur du noir étant enfant, mais je n'avais jamais affronté une obscurité aussi profonde que celle dans laquelle je me trouvais cette nuit-là. 30 secondes plus tard, traînant les pieds sur le sol et appuyant mon épaule contre le mur, j'ai atteint la porte de la cuisine. Je ne sais toujours pas pourquoi je me suis arrêté là, mais quand je l'ai fait, j'ai ressenti quelque chose qui m'a fait dresser les cheveux sur la nuque, puis sur les bras. Il m'a fallu quelques secondes pour réaliser ce qui provoquait ce niveau accru de peur. C'était une sorte d'odeur. Elle m'a atteint dès que j'ai franchi le seuil de la cuisine. C'était une forte odeur aigre de transpiration et quelque chose d'autre. Pendant un instant, j'ai pensé que peut-être c'était moi qui sentais mauvais, mais ensuite j'ai reconnu l'autre odeur. C'était l'odeur de whisky. Il y avait quelqu'un d'autre dans la maison, mais qui ? Quelqu'un avait profité de la panne de courant pour s'introduire chez moi, ou était-ce quelque chose de plus sinistre encore ? J'ai envisagé toutes les possibilités et j'ai décidé que je n'aimais pas les coïncidences. J'ai décidé que ce n'était pas le maraudeur, c'était Parker. Je suis resté figé sur place, écoutant pour voir s'il y avait un son qui pourrait trahir sa position. Il aurait pu être juste en face de moi ou même juste derrière moi. J'espérais que la vision nocturne de Parker n'était pas meilleure que la mienne et que les lumières resteraient éteintes jusqu'à ce que je trouve comment sortir de la maison sans tomber sur lui. Après avoir envisagé plusieurs options, j'ai décidé que mon meilleur espoir était d'essayer d'atteindre le garde-manger. Si je pouvais obtenir une lampe torche, je pourrais la diriger vers les yeux de Parker pour l'aveugler temporairement, puis l'utiliser comme arme. J'étais sûr que Parker avait un pistolet, sinon il ne serait pas entré dans la maison. Je ne comprenais tout simplement pas pourquoi il risquerait de venir après moi. J'ai lentement expiré tout l'air de mes poumons, puis tout aussi lentement inspiré profondément pour ne pas faire de bruit. Ensuite, j'ai avancé dans la cuisine dos au mur et j'ai commencé à avancer latéralement vers la porte du garde-manger. Je m'arrêtais à chaque pas pour écouter. Je ne pouvais pas l'entendre, mais je pouvais sentir sa présence dans la pièce. Après ce qui semblait être une éternité, j'atteignis la porte du garde-manger. Maintenant, je devais m'éloigner du mur pour ouvrir la porte. Je sentais les prémices d'une crise de panique. J'avais pris de toutes petites respirations pour rester silencieux et maintenant j'avais l'impression de ne pas pouvoir avoir assez d'air. Je voulais prendre de grandes respirations, mais je n'osais pas le faire. Cela ne faisait qu'augmenter ma panique. J'avais une envie irrépressible de crier et de m'enfuir de la maison, mais je ne pouvais pas. Après être resté debout un moment de plus, j'ai avancé ma jambe droite d'environ un pied, puis j'ai suivi avec la gauche. J'étais sur le point de répéter le processus quand je l'ai senti. Nous ne nous touchions pas, mais je pouvais sentir la chaleur de son corps. Je ne savais pas quoi faire. Est-ce que Parker savait que j'étais si près de lui ? Je sentais son souffle et son odeur corporelle était assez forte pour me faire pleurer. Je me demandais si je devais reculer rapidement ou me jeter sur lui en espérant que le choc soit assez fort pour me donner le temps de sortir de la maison. Avant de pouvoir prendre une décision, j'ai senti sa main descendre sur mon visage. « Hé Eric !» Parker l'a dit d'une voix méchante comme je n'avais jamais entendu. J'ai instinctivement réalisé que Parker m'avait seulement touché pour avoir une meilleure idée de ma position afin de pouvoir tirer sur moi. J'ai immédiatement tendu les mains et je l'ai poussé de toutes mes forces, en faisant un pas sur la droite. Je l'ai pris par surprise car il a reculé juste au moment où je tirais. L'éclair m'a aveuglé, le bruit assourdissant, mais la balle m'a manqué. Me retournant rapidement, j'ai trouvé la porte du garde-manger et je l'ai ouverte. Je suis entré et j'ai refermé la porte derrière moi. Dans la cuisine,
Parker a tiré deux autres coups en cherchant une lampe de poche. J'ai trouvé une grande lampe de poche robuste sur l'étagère du haut du garde-manger et je l'ai attrapée. Ensuite, je me suis glissé dans le coin le plus éloigné possible pour que si Parker trouvait la porte du garde-manger et l'ouvrait, je serais hors de sa ligne de tir. Appuyé contre le mur, j'ai gardé ma main gauche sur le bord de la porte juste pour m'orienter. J'ai pensé que si Parker trouvait la porte du garde-manger et l'ouvrait, j'utiliserais la lampe de poche comme une massue pour essayer de le frapper avec. Il y a eu un silence pendant quelques secondes, puis Parker m'a parlé. « Eric, pourquoi rends-tu les choses si difficiles ? J'ai attendu longtemps cette nuit. Pourquoi ne renonces-tu pas et n'affrontes pas ton destin comme un homme ? » a-t-il dit. J'ai été tenté de lui crier et de lui demander ce qui n'allait pas, mais j'avais l'impression qu'il ne voulait pas parler. Il voulait me tuer. « Allez, Eric. Une balle dans la tête et c'est fini. Ensuite, je récupérerai Nicole et elle et moi célébrerons ta mort. » Je savais ce que Parker voulait. Il voulait me rendre assez en colère pour dire ou faire quelque chose qui lui permettrait de savoir où je me cachais. Ça a marché. Je pouvais à peine contrôler la rage qui grandissait en moi. Et puis j'ai senti la porte du garde-manger bouger. Elle ne s'est pas ouverte. Elle était penchée. Et apparemment, elle était appuyée contre la porte. « Alors, Eric, où es-tu » a-t-il dit d'une voix chantante. « Je parie que tu ne savais pas que Nicole était venue dans ma chambre d'hôtel quand nous étions en Allemagne l'année dernière et qu'elle m'avait dit qu'elle voulait passer du temps avec moi. Elle était si gentille que je lui ai acheté un magnifique verre à bière le lendemain. Ses paroles ont eu un effet certain sur moi. La seule bonne chose était qu'il était clair dans sa conversation qu'il avait le dos contre la porte du garde-manger. Le jour avant que tu ne devais rentrer de Dallas, Nicole m'a demandé de te tuer pour qu'on puisse être ensemble, a-t-il dit. J'avais prévu de le faire quand elle est venue te chercher à l'aéroport ce soir-là, mais tu es rentré plus tôt. Eh bien, les meilleures intentions des hommes et des souris. Je suppose que Nicole et moi devrons quitter le pays ce soir après t'avoir éliminé. À ce moment-là, la rage a pris le dessus. Je me suis préparé en prenant une grande inspiration puis j'ai frappé la porte de toutes mes forces. La porte s'est ouverte en projetant Parker en avant, et je me suis jeté sur lui par derrière. Nous avons été repoussés contre la table de la salle à manger et Parker a perdu l'équilibre et est tombé sur l'une des chaises, avec moi accroché à son dos. Nous avons violemment heurté le sol et j'ai cru entendre un bruit de glissement d'armes à feu sur le sol, mais dans l'obscurité je ne pouvais pas en être sûr. Tout ce que je savais, c'était que j'allais devoir neutraliser ce salaud d'une manière ou d'une autre. Je n'avais pas réalisé à quel point il était grand jusqu'à ce que je sois sur lui. La chute avait assommé Parker, et j'ai eu un moment pour essayer de prendre l'avantage sur lui. J'ai basculé la lampe de poche dans ma main gauche puis j'ai glissé ma main sous son aisselle droite et mis ma paume derrière sa tête. Cela a immobilisé son bras droit. Malheureusement, j'avais oublié qu'il était gaucher. Je me suis penché vers ma gauche, serrant son bras droit plus fort quand il m'a violemment frappé sur le côté avec son coude gauche. Pendant un instant, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Instinctivement, j'ai su que si je m'évanouissais, je ne me réveillerais jamais. En attendant que ma tête se clarifie, j'ai senti son corps se tendre et j'ai pensé qu'il allait essayer de me donner un autre coup de coude. J'ai attrapé la lampe de poche et je l'ai abattue de toutes mes forces, espérant qu'elle le toucherait quelque part au bras. Il y a eu un bruit sec et Parker a crié quand la lampe de poche a touché son bras. Je ne savais pas quelles pourraient être les conséquences, et je n'avais pas l'intention de prendre de risques. J'ai relevé la lampe de poche et je l'ai abattue de nouveau violemment. Cette fois, au contact, la lampe de poche a volé de ma main et a roulé sur le sol. Parker a poussé un autre cri puis est resté silencieux. J'ai senti sa respiration devenir saccadée et régulière. Je commençais à me demander si je l'avais fait s'évanouir, mais alors il a parlé. « Tu vas payer pour ça, Eric », a-t-il dit. Je sentais la rage monter en moi, mais elle épuisait toute ma force. Les choses commençaient à s'éclaircir. Je savais que si je ne restais pas calme, je ne serais pas prêt pour le prochain mouvement de Parker. Profitant du fait que Parker semblait faire une pause dans le combat pour reprendre des forces, j'ai détaché mon téléphone portable de ma ceinture et je l'ai ouvert. La lumière de l'écran me permit de voir que Parker était allongé, le visage tourné vers la droite. Son bras gauche reposait sur le sol. Je ne pouvais pas dire si son bras était blessé ou s'il attendait simplement le bon moment pour passer à l'offensive à nouveau.
Il ne m'a fallu que quelques secondes pour trouver le numéro de Tony et appuyer sur la touche d'appel rapide. Tony décrocha au troisième sonnerie. « Tony, Parker est ici à la maison avec moi. Dépêche-toi, » dis-je, sans attendre que Tony réponde. « L'aide n'arrivera pas à temps pour la sauver, » dit Parker. Demain, Nicole et moi allons nous asseoir sur la plage à Rio en sirotant des cocktails et en riant de ce pleutre que tu es. Je vais te faire pleurer avant de mourir pour pouvoir dire à Nicole à quel point tu étais enfant. » À ce moment-là, une pensée m'a frappé. J'ai réalisé ce qu'il essayait de faire et je me suis demandé si je pouvais contrer son mouvement. C'était un pari, mais je devais essayer. Je me suis penché vers son oreille et j'ai dit « Tu sais, John, Sarah m'a dit qu'elle ne voulait pas être avec toi parce qu'elle a entendu dire que tu étais un piètre amant. Elle a dit qu'elle ne veut pas de lâche et c'est pour ça qu'elle m'apprécie. Ça l'a touché. Arrête de parler de Sarah, a-t-il dit. À la lumière du téléphone, j'ai pu voir Parker pratiquement en train d'écumer en proférant cette dernière menace. Soudain, j'ai commencé à douter si ma dernière tactique avait été une si bonne idée. La pièce est restée silencieuse pendant quelques secondes, puis l'écran de mon téléphone s'est éteint et les lumières se sont éteintes, nous plongeant dans l'obscurité totale. C'est à ce moment que Parker a agi. Soudain, Parker était à genoux et je luttais pour le retenir. D'une manière ou d'une autre, Parker s'est retrouvé debout et a tourné sur lui-même. J'ai perdu prise et j'ai été projeté à travers la pièce. Je savais que je devais essayer de sortir de la maison, mais dans l'obscurité je ne savais pas où j'étais tombé et je ne savais pas dans quelle direction aller. Je me suis assis par terre et suis resté aussi silencieux que possible. J'ai écouté pour voir s'il y avait un mouvement de la part de Parker. Après quelques secondes, je l'ai entendu. On aurait dit qu'il tâtonnait de droite à gauche sur le sol avec sa main, essayant de trouver son arme. J'ai commencé à glisser ma main sur le sol loin de Parker, espérant trouver quelque chose qui pourrait me dire dans quelle partie de la pièce je me trouvais. J'ai continué à le faire jusqu'à ce que je sente mon dos contre le mur. En glissant ma main le long de la plinthe pour déterminer exactement où j'étais, je suis tombé sur le butoir à ressort de la porte du cellier. Je savais maintenant où j'étais, mais malheureusement ma main a plié le butoir à ressort et il m'a échappé des mains avec un bruit sec. Je ne suis pas sûr de comprendre pleinement ce qui s'est passé dans les secondes suivantes. Je savais que le bruit du butoir trahirait ma position et que Parker devinerait où j'étais. Avant que je puisse faire quoi que ce soit, il y a eu un éclair et une explosion alors que Parker tirait dans ma direction. La balle a frappé juste au-dessus de ma tête et j'ai senti des morceaux de plâtre tomber sur moi. J'ai pensé qu'il devait avoir cru que j'étais debout, mais l'éclair du coup de feu lui aurait montré que j'étais assis par terre. Je redoutais que le prochain tir soit exactement sur la cible. Mes oreilles bourdonnaient après le premier coup, donc il m'était difficile de distinguer les autres bruits. J'ai cru entendre quelqu'un crier, alors j'ai supposé que c'était Parker qui me criait dessus à nouveau. Une seconde plus tard, Parker a été illuminé par une lumière vive. Je pouvais maintenant voir Parker assis par terre face à moi. Il n'était qu'à 7 pieds de moi, il a levé son arme et l'a pointée vers moi. J'ai entendu un autre cri, puis 3 coups de feu. Parker semblait basculer sur le dos. Alors que la réalisation de ce qui s'était passé commençait à se faire jour, j'ai tourné la tête vers la droite et j'ai été aveuglé par 3 faisceaux de lampes de poche. Un officier de police en uniforme avec une lampe de poche s'est avancé et s'est rapidement approché de Parker. Il a jeté l'arme de Parker de côté, puis a vérifié son pouls au niveau de son cou. « Il est toujours en vie, monsieur », a dit l'officier. Ensuite, un autre officier en uniforme a commencé à parler dans un talkie-walkie. J'étais encore sous le choc quand Tony Trancas s'est accroupi à côté de moi. « Tu vas bien, Eric ? » a-t-il demandé. « Tu as des blessures ?»« Non, il a raté », ai-je dit, « mais je ne pense pas qu'il raterait la prochaine fois. Merci de m'avoir sauvé la mise. Lequel d'entre vous l'a abattu ?»« Tous », a répondu Tony. Au moment où Parker a été emmené à l'hôpital, j'avais déjà eu le temps de raconter l'histoire de ce qui s'était passé à 3 détectives différents, et chacun d'eux me disait à quel point j'avais de la chance. Comme si je ne le savais pas. Après le départ de la plupart des flics, Tony et moi nous sommes assis dans le salon et avons discuté. J'ai regardé Tony et j'ai dit « Je ne comprends pas pourquoi il a soudainement décidé de me tuer. C'était une obsession. Je pense qu'il avait l'impression que tu lui avais pris quelque chose qui lui appartenait et qu'il voulait se venger », a dit Tony. « Ce n'était pas à propos de Nikki, n'est-ce pas ?»« Non. Je l'ai utilisé pour arriver jusqu'à toi », a dit Tony.
Sarah Bowden? Oui. Son nom est apparu à plusieurs reprises lors de l'interrogatoire de ta femme, et je l'ai retrouvé. Maintenant, c'est Madame Cooper. Elle est mariée et vit à Phoenix. J'ai parlé avec elle au téléphone juste avant de venir ici. Qu'as-tu appris d'elle? Ai-je demandé. J'ai demandé à Madame Cooper si elle te connaissait, et elle a dit que oui, et elle m'a raconté la même histoire que celle que tu m'as racontée sur comment vous vous êtes rencontrés, et que vous vous êtes vus trois fois et avez décidé que cela n'allait nulle part. Ensuite, je lui ai demandé à propos de John Parker. Elle est restée silencieuse un moment et j'ai dû la relancer pour qu'elle réponde à la question. Elle a dit que John Parker était le gars avec qui elle était cette nuit-là où tu l'as rencontré à la station-service. Elle a dit qu'elle ne l'avait pas revu pendant des mois après cette nuit-là, puis il l'avait appelé. Il s'était excusé pour son comportement et avait fait un grand discours sur combien il était désolé, puis il lui avait demandé s'il pouvait passer chez elle pour lui parler quelques minutes. Elle a commis l'erreur de penser qu'il était sincère et l'a laissé entrer. Selon elle, quand Parker est venu chez elle, il s'est comporté comme un parfait gentleman pendant un moment, puis soudainement lui a dit à quel point il était en colère qu'elle se soit enfuie de lui cette nuit-là. Il lui a dit qu'elle lui appartenait et que rien ne changerait cela. Elle a alors dit qu'il avait essayé de la violer. Elle s'est éloignée de lui, a attrapé son téléphone et s'est préparée à composer le 911. Monsieur Parker lui a dit d'appeler. Il a dit qu'il dirait simplement à la police qu'ils allaient enquêter, mais elle a soudainement changé d'avis. Comme rien ne s'était passé, la police le croirait probablement et elle pourrait avoir des ennuis pour avoir fait un faux rapport de police. Madame Cooper a dit qu'elle avait réalisé qu'il serait difficile de prouver quoi que ce soit et tout ce qu'elle voulait, c'était qu'il sorte de son appartement. En partant, elle a dit que Monsieur Parker lui avait dit qu'il allait s'occuper de son petit ami et que s'il les voyait ensemble, il les tuerait tous les deux. Madame Cooper a dit qu'elle ne fréquentait personne à ce moment-là, donc elle a supposé qu'il lui avait dit qu'il ne voulait pas qu'elle voie quelqu'un. Elle a dit que si elle avait su que la menace était dirigée spécifiquement contre toi, elle t'aurait prévenu. Selon elle, cela ne lui était pas venu à l'esprit car vous aviez arrêté de vous voir depuis plus d'un mois avant sa rencontre avec Monsieur Parker. Madame Cooper a dit que Monsieur Parker avait commencé à l'appeler plusieurs fois par semaine, alors elle a finalement abandonné l'école et déménagé à Phoenix sans laisser d'adresse. Et il ne l'a jamais retrouvée à Phoenix ? Ai-je demandé. Non. Il n'y avait qu'une seule personne à UCLA qui savait où Madame Cooper était partie quand elle avait quitté l'école en plein semestre, et Monsieur Parker ne la connaissait pas. J'ai trouvé cet ami, et grâce à lui j'ai retrouvé les parents de Madame Cooper, et ils m'ont aidé à rentrer en contact avec elle. J'espère que Parker ira en prison pour longtemps. J'aurais détesté penser qu'il puisse me chercher en sortant de prison, ai-je dit. Je ne pense pas que tu entendras à nouveau parler de Monsieur Parker. Les chances qu'il survive à ses blessures sont très minces. Quand il est parti d'ici, on aurait dit qu'il était déjà dans le coma. Je n'étais pas sûr de ce que je ressentais à ce sujet. Certainement pas de la joie, mais peut-être du soulagement. « Désolé, mon pote, mais ta maison est à nouveau une scène de crime », a dit Tony. « Tu devras laisser tout en place jusqu'à ce que nous ayons fini. Ça ne prendra pas longtemps. Les affaires internes voudront passer demain matin. » C'est obligatoire après un tir impliquant un officier. Dans ce cas, il y avait trois officiers impliqués. Tu devrais récupérer ta maison d'ici midi demain. Puis-je rester ici cette nuit? Ai-je demandé. Je ne veux pas chercher un hôtel pour la nuit. Je ne pense pas que cela posera problème. Ne touche à rien dans la cuisine jusqu'à la fin de l'enquête, a dit Tony. Je ne toucherai à rien. Je veux juste aller me coucher. As-tu fini de regarder la vidéo? A demandé Tony. Non, j'ai été interrompu par le tremblement de terre. C'est vrai, tu me l'as dit. Et c'est juste de ne pas dire à quelqu'un que je t'ai donné cette copie et une fois que tu l'auras regardée, débarrasse-t'en. Jette-la ou réécris-la, a dit Tony. Que va-t-il arriver à Nikki? Ai-je demandé. Je ne sais pas, dit Tony. C'est à l'office du procureur de décider. Je n'étais pas à l'entretien de votre femme et je n'ai pas encore vu l'enregistrement de son entretien. J'avais l'intention de le revoir la semaine dernière, mais je n'ai pas eu le temps. Elle a coopéré. Si elle a dit la vérité et qu'elle est crue, alors peut-être qu'elle ne sera pas inculpée pour quoi que ce soit, dit Tony. Nous nous sommes levés et Tony a dit. Je dois y aller maintenant. Je vous tiendrai au courant si j'apprends quelque chose sur votre femme, d'une manière ou d'une autre. Je marchai avec Tony jusqu'à la porte. Merci, Tony. Je crois que je te dois un whisky, dis-je.
Au moins deux, dit Tony en sortant. Seul dans mon salon, je réfléchissais à ce que Parker m'avait dit. Était-ce vrai? J'avais déjà entendu Nicky dire que Parker lui avait acheté un verre à bière, donc il disait la vérité. Nicky s'était-elle amusée avec lui quand ils étaient en Allemagne? Avait-il vraiment réussi à la séduire pour avoir une liaison avec lui dans le but d'arriver jusqu'à moi? Il m'était difficile de croire que Nicky aurait pu faire une telle chose, mais je savais que Nicky m'avait menti à propos de l'achat du shop. Combien d'autres mensonges m'avait-elle dit? Je pensais à regarder la vidéo jusqu'au bout, mais j'étais trop épuisé. J'ai décidé que je la regarderais le lendemain. Cette nuit-là, j'ai dormi agité. Mes rêves étaient remplis d'images des trois dernières semaines. Certains étaient des événements réels et d'autres étaient des images cauchemardesques inspirées par mes peurs les plus profondes et mes pensées les plus sombres. Le vendredi matin, je me suis réveillé au son de la sonnette. J'ai enfilé ma robe et je suis allé ouvrir la porte. Deux hommes en simple costume marron se tenaient devant la porte. Pendant un instant, je me suis demandé s'il avait acheté leur costume dans le même magasin où Tony avait acheté le costume qu'il portait la première fois que nous nous sommes rencontrés. Les deux hommes se sont présentés comme des détectives des affaires internes et ont dit qu'ils étaient là pour inspecter la scène de la fusillade. L'un d'eux m'a demandé si j'avais touché quoi que ce soit dans la cuisine après la fusillade. J'ai répondu que personne n'était entré dans la cuisine depuis le départ des enquêteurs la veille au soir. Ils m'ont demandé de leur raconter ce qui s'était passé et une fois qu'ils ont fini de m'interroger sur la fusillade, je suis remonté à l'étage pour prendre une douche et ils ont terminé leur enquête dans ma cuisine. Lorsque je suis redescendu, les deux hommes des affaires internes étaient prêts à partir. Ils ont dit qu'ils avaient terminé et que je pouvais maintenant ranger après moi. Après leur départ, j'ai appelé la même entreprise que j'avais appelée pour nettoyer le sang du sol du hall et ils ont dit qu'ils ne pourraient pas venir avant l'après-midi de lundi. Je leur ai dit que c'était bien et j'ai pris rendez-vous. À 11h, l'électricité a été rétablie dans certaines parties de la ville, heureusement y compris la plupart de Sherman Oaks. Avec l'électricité de retour, j'ai décidé de me faire du café et ensuite de regarder la suite de l'entretien de Nicky. J'ai regardé autour de la cuisine mais je n'ai pas vu la cassette vidéo nulle part. J'ai essayé de me rappeler ce que j'avais fait avec la cassette en rentrant dans la maison la veille au soir mais je n'ai pas pu. Je suis sorti à la voiture mais elle n'était pas là non plus. Puis il m'est venu à l'esprit que les gars d'Overeux avaient peut-être trouvé la cassette dans la cuisine et l'avaient emportée avec eux. Il n'y avait pas d'étiquette sur la cassette, donc à moins qu'ils ne l'aient vérifiée sur mon magnétoscope, ils ne sauraient pas ce qu'il y avait dessus. Est-ce que j'ai laissé tomber la cassette par terre quand j'ai poussé Parker? Si les gars de l'IAB avaient trouvé la cassette par terre dans la cuisine, ils auraient pu penser que c'était important. Finalement, la cassette a disparu et je ne pouvais rien y faire. Je devrais avertir Tony de se couvrir. Je ne voulais pas qu'il ait des ennuis pour m'avoir donné une copie de l'interrogatoire de Nicky. Sans la cassette, je ne savais plus quoi faire. Je me sentais très seul. Je voulais que Nicky soit à la maison avec moi. Elle me manquait terriblement et je me demandais si nous pourrions jamais être de nouveau ensemble. Puis certaines choses que Parker m'avait dites ont commencé à ronger ma psyché. Comment Nicky aurait-elle pu être impliquée avec cet homme? J'ai commencé à réaliser que rien de tout cela ne serait arrivé si Nicky n'était pas liée à Parker d'une manière ou d'une autre. Qu'elle ait eu une brève liaison avec lui pendant qu'ils étaient en Allemagne ou que cela ait continué après leur retour à la maison n'avait pas d'importance. De toute façon, notre mariage était fini. Je ne pouvais toujours pas croire que Nicky voulait ma mort. Je ne le croirais jamais. Mon humeur s'est assombrie et j'ai décidé que mon café avait besoin d'être renforcé, alors je me suis dirigé vers le garde-manger pour prendre du bourbon. En m'approchant du garde-manger pour le bourbon, j'ai regardé en arrière la tache de sang sur le sol. Pendant un instant, j'ai cru voir le visage de Parker me fixer depuis la flaque rouge sombre. J'ai légèrement tressailli en me détournant pour ouvrir le garde-manger. Je pouvais encore sentir un frisson le long de ma colonne vertébrale alors que je restais là à regarder le liquide ambré dans la bouteille de Maker's Mark et j'ai dit à voix haute pour la première fois. J'espère que ce salaud est mort. Pendant un instant, mon regard s'est arrêté sur l'étagère où la lampe de poche avait été posée la veille. Oui, maintenant je me souviens, me suis-je dit. Puis je me suis retourné pour voir si la lampe de poche était par terre. Ce n'était pas le cas. Apparemment, elle avait été emportée comme preuve. J'ai passé le reste de la journée à peser tout ce que je savais et à élaborer un plan d'action sur ce que je devais faire concernant Nicky. Le soir,
Tony est passé chez moi pour prendre les deux verres que je lui devais. Il m'a informé que John Parker était resté dans le coma jusqu'à 12h45 puis était décédé de ses blessures. J'ai versé un autre whisky à Tony car il était évident qu'il en avait besoin. Il essayait de faire comme si ce n'était pas si grave. Mais je pouvais voir que prendre la vie d'un homme, même si c'était justifié, était un lourd fardeau pour Tony. Nous avons discuté de ses sentiments concernant le tir, bien qu'il ait dit qu'il ne voulait pas en parler. Et puis il m'a donné d'autres nouvelles. J'ai parlé au procureur adjoint et elle a dit qu'il n'allait pas porter plainte contre votre femme, a dit Tony. Elle a dit que Madame Anderson avait coopéré pleinement à l'enquête et qu'il ne croyait pas qu'elle était matériellement impliquée dans la tentative sur votre vie par Monsieur Parker. J'étais content que Nikki se soit sortie de ce pétrin, mais je devais encore décider de ce que j'allais faire avec Nikki. Tony m'a parlé de sa conversation avec le procureur et de ce qu'elle avait dit être sa raison de ne pas porter plainte contre Nikki. En écoutant Tony, j'ai commencé à ressentir une étrange sensation dans mon corps. J'avais l'impression que mon corps perdait du poids alors que j'étais assis là. Une partie de mon esprit était concentrée sur ce que Tony me disait et l'autre partie décidait de ce que je devais faire concernant mon mariage. À 10h le samedi matin, j'étais déjà assis dans la Honda et en route vers la maison des parents de Nikki. George m'a accueilli à la porte, m'a demandé comment j'allais et m'a conduit dans le salon où Mary et Nikki étaient assis. Nous avons entendu ce qui s'est passé aux informations hier soir, a dit Mary. Ça a dû être horrible pour toi. Nikki a pleuré et a demandé. Pourquoi tu n'as pas appelé hier pour nous dire ce qui s'était passé? Je suis tellement désolé, j'aurais dû appeler, mais hier était une journée horrible et je ne voulais vraiment parler à personne, ai-je menti? Ce n'était pas vraiment un mensonge complet, je n'étais juste pas prêt à parler à Nikki. Puis, en regardant la réaction de Nikki, j'ai dit. Savais-tu que Parker est mort de ses blessures? Nikki a baissé les yeux sur ses mains et a secoué la tête, les yeux à nouveau remplis de larmes. George a dit. Oui, c'était aux informations hier soir. Il n'est pas pleuré dans cette maison. Nikki m'a regardé et a dit. Je ne pleure pas pour lui, Eric. Je pleure pour ce qu'il nous a fait. J'ai dit. Je ne peux pas comprendre ce qui pourrait pousser un homme à agir ainsi, a dit Mary. Eric, sais-tu que le bureau du procureur a appelé hier? Ils ont dit qu'ils n'allaient pas porter plainte contre Nikki. J'ai regardé Nikki. Oui, j'ai entendu. C'est une bonne nouvelle, ai-je dit. Nikki m'a souri, mais est restée silencieuse. Mary, je tiens juste à vous dire, à toi et à George, combien j'apprécie votre aide et votre soutien pendant cette période très stressante, ai-je dit. Puis, en regardant Nikki, j'ai dit, cela a été difficile pour nous tous. Nikki s'est levée du canapé, s'est approchée de moi, s'est tenue juste en face de moi et a demandé. Puis-je rentrer chez toi? Non, je ne rentre pas chez moi. Tu ne rentres pas chez toi? Où vas-tu? A demandé Nikki, me regardant avec de grands yeux. Je dois emmener la voiture de Charlie chez lui à Las Vegas, ai-je dit. Nikki était prise d'une autre attaque de gouttes, mais elle essayait de tenir bon. Je ne comprends pas. Charlie vit à Sherman Oaks. Pourquoi dois-tu conduire sa voiture à Las Vegas? A demandé Nikki. J'ai posé mes mains de chaque côté de son visage et regardé droit dans ses beaux yeux et ai dit. Je t'expliquerai tout en route pour Las Vegas. Nikki a essuyé les larmes de ses yeux et a demandé. Tu veux que je vienne à Las Vegas avec toi? Je me suis penché en avant et j'ai embrassé Nikki sur le front. Oui, bien sûr que je veux que tu viennes avec moi, ai-je dit. Nikki a enlacé ses bras autour de moi et m'a serré fort. George, j'ai besoin d'un service. J'ai des gens qui viennent lundi pour nettoyer un désordre dans la cuisine. Penses-tu que tu pourrais y aller et rester à la maison pendant qu'ils travaillent? Pas de problème. À quelle heure dois-je être là? Vers midi, ai-je dit. Si cela ne te dérange pas, Nikki et moi devrions y aller. George et Mary nous ont accompagnés jusqu'à la porte. Ils ne pouvaient cacher les sourires sur leurs visages. Ils étaient heureux de nous voir, Nikki et moi, ensemble à nouveau. Nous devons passer par la maison pour que je puisse faire ma valise, a dit Nikki alors que nous marchions vers la voiture. J'ai déjà préparé tout ce dont tu auras besoin, ai-je répondu. Donc tu savais avant même d'arriver ici que tu allais m'emmener avec toi? Tu es ma femme, la femme que j'aime. Pourquoi irais-je quelque part sans toi, ai-je dit. Nikki m'a attrapé et m'a embrassé sur les lèvres. Tu es l'homme que j'aime. Pendant les premières 45 minutes du trajet, Nikki n'a presque rien dit. Elle est restée assise en silence avec un sourire sur son visage.
Quand nous sommes arrivés à l'échangeur entre l'I-10 et l'I-15, Nikki a parlé. « As-tu pris mes vêtements ?»« Qu'as-tu pris ? » a-t-elle demandé. « J'ai pris tes sous-vêtements. J'ai aussi pris tes sandales et tes chaussures à talons noirs qui iront avec ta robe de cocktail. Tout ton maquillage est dans le sac également. Tout ce dont tu as besoin en plus, il faudra l'acheter. » Nikki m'a embrassé sur la joue et nous avons commencé à discuter de tout comme d'habitude. Après un moment, Nikki s'est adossée sur son siège et a semblé se détendre. Mais j'ai commencé à remarquer un changement dans son humeur. J'ai remarqué que Nikki devenait plus sombre, et finalement j'ai dû lui demander ce qui n'allait pas. « Eric, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Je dois tout te dire pour que tu comprennes que je t'aime et qu'il ne s'est jamais rien passé entre John et moi. J'ai juste peur que tu arrêtes de me faire confiance, et si c'est le cas, cela pourrait ruiner notre mariage. Je veux que tu me poses toutes les questions que tu as. Je te dirai tout ce que tu veux savoir, alors s'il te plaît, parle-moi. J'ai une question à laquelle j'aimerais une réponse. C'est très important, donc j'ai besoin de connaître la vérité, ai-je dit. Nikki s'est tournée vers moi. Peu importe ce que tu me demandes, je te promets de te dire la vérité, a-t-elle dit. D'accord, Nikki, tu. Nikki a commencé à secouer la tête, ne me laissant pas finir ma question. Étais-tu celui qui a cassé le verre de bière, ai-je demandé. Nikki continuait de secouer la tête quand j'ai fini ma question. Non, attends. Quoi? Oui, oui, c'est moi qui l'ai cassé, a-t-elle dit. C'est le genre de question à laquelle je ne m'attendais pas. Évidemment. Veux-tu savoir pourquoi je l'ai cassé, a demandé Nikki. Non, je le sais déjà, ai-je répondu. Nikki m'a regardé avec une question dans les yeux. Nikki, je t'aime, et je te fais entièrement confiance. Je sais maintenant tout ce que j'ai besoin de savoir pour avancer dans ma vie. Ce sujet n'a pas besoin d'être discuté davantage, du moins pas avant notre retour à la maison la semaine prochaine. Je veux juste passer les prochains jours à profiter d'être à nouveau ensemble, ai-je dit, en tendant la main pour prendre celle de Nikki. Le reste du chemin jusqu'à la maison de Charlie, Nikki souriait. Quand nous sommes arrivés à la maison, j'ai rapidement regardé autour de moi pour voir s'il y avait des preuves que Parker avait cambriolé la maison la nuit où j'ai quitté Vegas. Je n'ai trouvé aucune preuve que Park était passé par là. Je me suis demandé s'il m'avait vu partir cette nuit-là. Il savait à quoi je ressemblais et aurait pu me reconnaître quand nous nous sommes croisés. En entrant dans la maison, Nikki regarda autour d'elle et dit « C'est bien mieux que de rester dans l'un des hôtels sur le strip. » Pendant que Nikki explorait la maison, je sortis deux Heineken bien fraîches du réfrigérateur. Nikki était dans la chambre principale, regardant la piscine dans le jardin quand je lui tendis les bières. Nous avons passé le reste de la journée à nous prélasser au bord de la piscine, et le soir, Nikki a préparé le dîner avec les courses que j'avais achetées le week-end précédent. Ce n'était que des spaghettis à la sauce ragoût et une bouteille de vin rouge, mais nous avons eu un dîner romantique. Épilogue. Je pense que beaucoup d'entre vous, chers lecteurs, se demande comment j'ai pu retrouver entièrement confiance en Nikki. Ai-je ignoré toutes les possibilités négatives? Non, laissez-moi vous expliquer. Après le départ des enquêteurs de l'IAB de la maison vendredi, vous vous souviendrez que j'ai décidé de mettre quelque chose de plus fort dans mon café. En allant chercher du bourbon dans le garde-manger, j'ai jeté un coup d'œil à l'étagère où se trouvait la lampe torche avant de la prendre. En effet, la lampe torche n'était plus là, mais à sa place se trouvait une cassette vidéo de Nikki interrogée au poste de police. Donc, avec le bourbon et le café, j'ai regardé le reste de la cassette. Lorsque j'ai inséré la cassette dans le magnétoscope et lancé la lecture, elle a commencé juste après le dernier segment dont je me souvenais. J'ai donc rembobiné un peu la cassette et lancé la lecture. Le détective Harris a demandé « Essayait-il de te convaincre ? Tu veux dire qu'il essayait de te séduire ?»« Oui. » « Je suppose », a répondu Nikki. « Avait-il des raisons de croire que tu accepterais d'avoir des relations sexuelles avec lui ?» a demandé le détective Harris. Mais il n'arrêtait pas de parler de ce qui s'était passé en Allemagne et qu'on devrait finir ce que nous avions commencé cette nuit-là. « Madame Anderson, pourquoi ne me raconteriez-vous pas ce qui s'est passé entre vous et M. Parker en Allemagne ?» Nikki est restée silencieuse un moment avant de dire « Nous sommes allés en Allemagne en tant que chaperon pour un club allemand. » Les membres du club ont été invités à visiter l'Allemagne par une école à Munich. Nos élèves sont restés chez les familles des élèves de l'école haute. Les sept chaperons sont restés dans un hôtel local. Le dernier jour du voyage, nous sommes allés faire des achats de souvenirs.
J'ai regardé dans la vitrine d'un magasin qui vendait toutes sortes de souvenirs. J'ai d'abord regardé les Hummels. Je voulais commencer à les collectionner depuis longtemps, mais ils sont très chers. À côté des Hummels, j'ai remarqué une chope de bière allemande. Dès que je l'ai vue, j'ai immédiatement su que c'était quelque chose qu'Eric aimerait. « Pourquoi votre mari aimait-il cette chope ?» a demandé le détective Harris. Eric a une petite collection de chopes et de verres à bière, mais rien d'aussi beau que celui que je regardais dans la vitrine. « D'accord. Continuez alors. » J'ai discerné l'étiquette de prix sur la chope et calculé que le prix en dollars dépasserait les 100 dollars. À ce moment-là, John est venu me demander ce que je regardais. Je lui ai dit que j'aimais la chope, mais qu'elle était trop chère. Après cela, nous avons rassemblé les élèves et les avons ramenés à l'école où leurs hôtes sont venus les chercher. Le soir, les accompagnateurs ont été invités à dîner par quelques professeurs de l'école hôte. Alors que je me préparais à partir, John est entré dans ma chambre et m'a dit qu'il avait un cadeau pour moi, puis il m'a remis une boîte non emballée. À l'intérieur de la boîte se trouvait une chope de bière que je convoitais depuis longtemps. J'ai dit à John que je ne pouvais pas accepter un cadeau aussi cher, mais il a insisté. Il a dit que c'était pour me remercier de l'aide que je lui avais apportée lorsqu'il s'installait dans notre école. Une partie de moi savait que je ne devrais pas accepter ce cadeau, mais une autre partie de moi voulait le recevoir car je savais qu'Eric l'apprécierait. Alors j'ai remercié John et nous sommes allés rejoindre les autres accompagnateurs dans le hall de l'hôtel. Nous avons dîné dans un restaurant près de l'hôtel, puis l'hôte nous a emmenés dans une véritable brasserie. L'orchestre Oompa y jouait et notre hôte a commencé à nous apprendre à danser quelques danses folkloriques allemandes. Nous avons passé un excellent moment et j'ai un peu trop bu, donc au moment de rentrer à l'hôtel, je me sentais plutôt bien. John tenait ma main pendant que nous marchions, et je pensais qu'il s'assurait simplement que je ne trébuchais pas sur le trottoir pavé. Quand nous sommes arrivés à l'hôtel, John m'a accompagné jusqu'à ma chambre, et quand j'ai ouvert la porte, il m'a attiré vers lui et m'a embrassé. Cela m'a surpris, et j'ai peur de n'avoir pas réagi. Alors il m'a embrassé à nouveau, et pendant un instant je lui ai rendu son baiser, puis j'ai réalisé ce que je faisais et je me suis éloigné de lui. Je lui ai dit que ce qu'il avait fait était inapproprié, et que je n'aurais pas dû le laisser m'embrasser une deuxième fois. Il a dit qu'il me voulait, et qu'il savait que je le voulais aussi. Je lui ai dit qu'il se trompait, puis je l'ai repoussé dans le couloir et refermé la porte derrière moi. Et c'était la fin de l'histoire ? Mister Parker vous a-t-il laissé tranquille après cela ? Demanda le détective Harris. À peu près. Le lendemain, John s'est excusé pour son comportement et l'a attribué au fait qu'il avait beaucoup bu la veille. Le reste du temps, il s'est comporté de manière exemplaire. Alors, vous n'avez pas eu de relation sexuelle avec Mr. Parker ? Non. J'aime mon mari et je ne l'ai jamais trompé et ne le ferai jamais. 7. Quand vous êtes rentré chez vous, que vous a dit votre mari à propos de la chope de bière que Mr. Parker vous a offerte ? Je n'ai pas dit à Eric que John m'avait donné le verre. Je lui ai dit que je l'avais acheté pour lui. J'étais excité en voyant à quel point Eric aimait la statue, mais ensuite j'ai réalisé que je venais de mentir à Eric pour la première fois de notre mariage, et j'ai commencé à pleurer. J'ai failli lui dire la vérité à ce moment-là, et maintenant je regrette de ne pas l'avoir fait. Après le voyage, est-ce que Mr. Parker a essayé de vous convaincre de sortir avec lui ou de vous suggérer d'avoir une liaison avec lui ? Demanda le détective Harris. Il flirtait parfois avec moi, mais n'a jamais rien fait de vraiment inapproprié. Que voulez-vous dire par vraiment inapproprié ? Eh bien, le flirt était inapproprié, mais pas offensant. Il n'a jamais suggéré que nous sortions ensemble ou quoi que ce soit de ce genre, enfin, jusqu'au jour de l'accident. Pourquoi dites-vous que c'était un accident ? John n'aurait pas tiré sur Eric intentionnellement. Il a tiré sur Eric par accident. Madame Anderson, la fusillade n'était pas un accident. Monsieur Parker connaissait votre mari. Il avait largement le temps de l'identifier sur l'escalier avant de lui tirer dessus. Il est impossible que Monsieur Parker n'ait pas vu que votre mari montait ses sacs à l'étage et qu'il n'avait pas d'arme. Non, cela ne peut pas être. Il n'aurait pas fait ça exprès, pleura Nikki. Madame Anderson, lorsque vous étiez cachée dans le placard, avez-vous entendu des coups de feu ? Oui. Pouvez-vous décrire ce que vous avez entendu ? Demanda le détective Harris. Le premier coup de feu était très fort. Ensuite, quelques secondes se sont écoulées et les deux coups suivants étaient moins forts, dit Nikki.
Avez-vous une idée de pourquoi il y a eu un délai entre le premier coup de feu et les deux suivants ? Non, je n'y ai jamais pensé. Monsieur Parker a attendu en haut des escaliers jusqu'à ce que votre mari descende sur le palier et se tourne vers Monsieur Parker, dit le détective Harris. Monsieur Parker a ensuite tiré sur votre mari à la poitrine. Monsieur Anderson est ensuite tombé du palier sur ses bagages. Monsieur Parker est descendu les escaliers, s'est penché sur lui et lui a tiré deux autres fois dans l'abdomen. Il était évident d'après les actions de Monsieur Parker qu'il voulait la mort de votre mari. Nikki posa sa tête sur la table et sanglota. Jim la prit dans ses bras, la serra contre lui et lui dit quelque chose pour la calmer. Puis Jim demanda si quelqu'un pouvait apporter un verre d'eau à Nikki. Le détective Harris donna à Nikki le temps de se remettre pendant qu'ils attendaient l'eau. « Alors, Madame Anderson, pouvez-vous me donner une raison pour laquelle Monsieur Parker aurait voulu tuer votre mari ?» demanda le détective Harris. Nikki secoua la tête. « Je n'arrive pas à croire qu'il aurait pu le faire, et je ne sais vraiment pas pourquoi. Dites, y a-t-il autre chose que vous pouvez me dire qui nous aiderait à comprendre pourquoi Monsieur Parker aurait voulu tirer sur votre mari ?»« Je ne trouve rien, sauf que maintenant je me demande si cela a quelque chose à voir avec Sarah Bowden, » dit Nikki. « J'ai, pourquoi pensez-vous que cela a un rapport avec Madame Bowden ?»« Je ne sais pas. C'est juste qu'en Allemagne, John m'a dit de demander à Eric s'il se souvenait de Sarah Bowden. » Mais ensuite, il n'a pas dit pourquoi il voulait que je lui demande. Avez-vous demandé à votre mari à propos de Sarah Bowden ? Oui, il m'a dit qu'il l'avait rencontrée quelques fois lors de sa troisième année à l'université, répondit Nikki. Croyez-vous votre mari ? Oui. Avez-vous dit à votre mari que c'était Monsieur Parker qui voulait savoir ? Demanda le détective Harris. Non. Pourquoi pas ? Je ne sais pas. Avez-vous vu Monsieur Parker après la fusillade ? Demanda le détective Harris. Oui, à l'école et il est venu une fois à l'hôpital. Il était à l'hôpital. Pourquoi ? Il a dit qu'il avait besoin de me parler et qu'il voulait voir comment Eric se portait. De quoi voulait-il vous parler ? Demanda le détective Harris. Il voulait s'assurer que je ne dise à personne ce qui s'était réellement passé, répondit Nikki. Merci, Madame Anderson. Je pense que nous en avons fini pour aujourd'hui, dit le détective Harris. Nous pourrions avoir besoin de vous interroger à nouveau, alors consultez-nous avant de décider de quitter la ville. » Le détective Harris s'éloigna du bureau et se dirigea vers le téléphone accroché au mur, prit le combiné et parla à quelqu'un. Je n'arrivais pas à entendre de quoi parlait la conversation. Après avoir raccroché, le détective Harris se tourna vers Jim. « Monsieur Culkin, puis-je vous parler ?» dit le détective Harris. Jim et le détective Harris se regroupèrent dans un coin pendant un moment, puis Jim emmena Nikki hors de la pièce. Immédiatement, l'écran devint noir puis neigeux. Après avoir visionné l'enregistrement, les choses s'étaient un peu améliorées, mais il restait la possibilité que Nikki mente comme une arracheuse de dents. Je ne savais toujours pas quoi faire avec elle. Ce soir-là, Tony est venu chez moi pour boire un verre et m'a dit que le bureau du procureur ne porterait aucune accusation contre Nikki. Lorsque je lui ai demandé pourquoi, Tony a dit que le procureur adjoint était convaincu que Nikki avait répondu à toutes leurs questions en toute vérité. J'ai demandé à Tony comment il pouvait supposer que Nikki ne leur avait pas menti. Le détective Harris a demandé à votre ami Jim si Nikki serait prête à passer un test de détecteur de mensonges, et Jim a dit qu'il en discuterait avec Nikki et lui donnerait une réponse. Jim a appelé le détective Harris le lendemain et lui a dit que Nikki avait accepté de passer le test du polygraphe, a dit Tony. Pendant le test du polygraphe, ils ont vérifié ses réponses à toutes les questions qu'ils lui ont posées et lui ont demandé si elle répondait en toute vérité. Ils ont posé les questions de plusieurs manières différentes pour s'assurer que ses réponses étaient correctes. Votre femme a juré qu'elle avait répondu à toutes les questions en toute vérité et le polygraphe a confirmé qu'elle disait la vérité. Rien dans son test n'indiquait qu'elle avait menti dans ses réponses lors de l'entretien initial. Nikki est une fille intelligente, mais je savais qu'il était impossible pour elle de tromper le polygraphe, donc j'étais content de connaître la vérité. Nikki n'avait pas de liaison avec John Parker, et elle n'était même pas attirée par lui. Parker lui avait offert un verre pour essayer de la mettre en couple, mais Nikki a rapidement mis fin à tout cela malgré une forte consommation d'alcool. Pourquoi le verre s'est-il avéré être le seul objet cassé lorsque Parker a essayé de faire croire que des cambrioleurs avaient visité notre maison ? J'étais curieux. Selon Nikki,
Parker avait apporté le verre à l'étage comme un rappel qu'il le lui avait offert, puis avait essayé de la convaincre de faire quelque chose avec lui en se basant sur son interprétation de ce qui s'était passé en Allemagne. Je suppose qu'il pensait que le fait qu'elle l'ait laissé l'embrasser signifiait qu'elle pourrait être intéressée par quelque chose de plus. Cet après-midi-là, j'ai perturbé ses plans en entrant dans la maison à l'heure convenue. Je commençais à penser que Nikki pensait qu'en acceptant ce verre comme un cadeau de Parker, elle avait provoqué tout ce désordre elle-même. J'ai pensé qu'elle avait brisé le verre contre l'âtre parce qu'elle savait qu'il lui rappellerait toujours ce qui s'était passé et que c'était de sa faute. C'était la seule question à laquelle je devais obtenir une réponse de Nikki. Si elle avait cassé le verre, tout irait bien. Mais si c'était Parker qui l'avait cassé, j'étais laissé avec des doutes. Fin. Merci de votre attention.